Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc, on voit bien que là, il y a une augmentation générale de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants, produits que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdits sur le territoire de la République. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a des drames. Il y a des femmes enceintes qui perdent leurs enfants. Il y a des gamins de 6 ans qui se retrouvent à l'hôpital. Et puis, il y a tous les jours, vous le savez bien, des morts. Il y a 600 morts par an. 600 morts par an de gens qui meurent parce que le conducteur d'en face a pris de la drogue. Et ça, ce n'est pas possible. Moi, mon travail, c'est de protéger la population française. Et je crois qu'on n'est jamais assez dur, monsieur, avec ceux qui bafouent les règles, et notamment qui consomment de la drogue pour aller prendre leur voiture et devenir finalement des meurtriers en puissance.